Français, adjectif, masculin, féminin. Le féminin des adjectifs. Le féminin des adjectifs qualificatifs. En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute le « e » au masculin. Quand le masculin se termine par une consonne non prononcée, comme le T, le D ou le S, on l'entendra au féminin à cause du E. Exemple, elle est grande, le féminin, elle est grande, elle est blonde, elle est blonde. Il est intelligent, elle est intelligente. Cas particulier. Si le masculin se termine par E, le féminin reste identique. Ça veut dire ne change pas d'orthographe ni de prononciation. Sévère, sévère. Aimable, aimable. Si le masculin se termine par O, elle devient elle. Nouveau, nouvelle, beau, belle. Les adjectifs en ul, yin, elle, ei, i, en doublent la consonne finale. Exemple, nul, nul avec deux LE. Pareil, pareil. Colombien, colombienne, gentil, gentil, annuel, annuel, bon, bonne. Si le masculin se termine par ER, le E devient E avec accent grave. Et on ajoute le E à la fin. Léger, légère. Dernier, dernière. Si le masculin se termine par ET, le féminin se forme avec E accent grave, TE. Exemple, secret, secrète. Masculin terminé par E. Le féminin se forme avec euse. Exemple, heureux, heureuse. Précieux, précieuse. Si le masculin se termine par heure, non, le féminin se forme en euse. Teur, on a des féminins se forment en trice. Exemple, travailleur, travailleuse. Protecteur, protectrice. Le masculin qui se termine par F, bien if, fait le féminin en ive. Comme sportif, sportive, furtif, furtive. Le masculin qui se termine par C, on a des adjectifs comme blond, forme le féminin en blanche. Ça veut dire le C devient ch. Et on a des adjectifs comme public, fait le féminin en public, avec culon, UE. Attention, il y a de nombreux irréguliers. Attention. Exemple, fou, le féminin, c'est folle. Vieux, féminin, c'est vieille. Malin, maligne.
Frais, fraîche. Maître, maîtresse. Coquet, coquette.